Je suis en train de faire un cauchemar, c'est pas possible. Excusez, vous faites les bœufs pour enfants? Pour enfants? Oui, pour enfants. Mais ça n'existe pas. Désolé. Mais ça n'existe pas, madame, les bœufs pour enfants. Parce que à mon quartier, les enfants, ils ont plein de bœufs, donc je voulais en prendre une pour mon fils. Ah bon? Vous savez, oui, je vois les goûts, la bubble gum, fruits rouges. Mais vous êtes sûr que c'est des choses qui se papotent? Ah oui, oui, oui. C'est pour mettre au doigt, ça. Voilà, bubble gum. Il y en a même qui clignotent des fois, les enfants, ils ont ça dans mon quartier. Alors moi, les bœufs qui clignotent, j'en ai pas. Les bœufs pour enfants non plus. L'enfant en question, peut-être? C'est interdit aux mineurs. Hein. Je pense que c'est celle qui sont sans nicotine, alors, vous savez. Mais je vais prendre la bubble gum en zéro. C'est ça, à votre droite, si vous voulez. Mais par contre, je vous le dis, c'est interdit pour les enfants. Oui, c'est pas grave. Bon, si ça lui convient pas, ben, je la prendrai pour moi, écoutez. Hein. Je pense que... Non, mais j'espère que c'est une mauvaise blague. Des parents qui voudraient acheter des puffs, donc des cigarettes électroniques, avec ou sans nicotine, c'est inciter son enfant, apprendre son enfant à fumer. On parle d'enfants mineurs dans cette vidéo. J'espère que c'est une blague. J'espère que c'est un montage. C'est pas possible. C'est pas possible que ce genre de parents existe. Et elle dit quoi? Si ça lui convient pas, ben je la prendrai pour moi. Mais je vais prendre sans nicotine. Mais on n'est pas en train de parler d'un bonbon. On n'est pas en train de parler d'une sucette. Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est quoi ce nouveau monde, en fait, aujourd'hui? Sincèrement. Je sais pas si c'est un montage, je sais pas. Dites-moi si vous avez plus d'informations que moi, mais on vient de m'envoyer cette vidéo. Mais franchement, dans le monde où on vit aujourd'hui, bah c'est triste hein, ce que je vais vous dire. Mais je serais pas étonné. Je serais pas étonné que certains parents soient prêts, tristement, à acheter des cigarettes électroniques à leurs enfants. Parce que ce monde devient un délire total.